Yo les amis, donc je reçois beaucoup de commentaires sur comment on pêche la dorade, avec quelle canne, quel appât, à quel endroit. Donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Donc déjà pour commencer, avec quelle canne? Franchement, pour pêcher la dorade, vous pouvez pêcher avec n'importe quelle canne. Moi, mon seul conseil que je vous donne, c'est que la canne, il faut qu'elle ait le sillon vraiment fin pour bien voir les touches et pour rien et pour pas rater les touches aussi. Et surtout, n'allez pas me mettre du 400-500 euros dans une canne pour débuter, ça ne sert strictement à rien. Vous allez à Decathlon pour 30-40 euros, vous avez votre canne, votre moulinier avec le fil déjà dedans et ça suffit largement pour débuter et vous allez sortir de la belle dorade avec ça, je vous le garantis. Ensuite, pour ce qui est appât, moi ce que je vous conseille, le dur rouge, la crevette, le bibi et le crabe. Le mieux, c'est de les pêcher directement sur place. Voilà, ça demande du temps, du savoir-faire, mais c'est le mieux. Voilà, c'est mon conseil. Après, si vous êtes vraiment débutant et que vous n'arrivez pas, je vous conseille d'aller aussi à Decathlon. Il y a tout ce qu'il faut et au moins, vous ne perdez pas de temps sur place. Voilà. Ensuite, pour l'endroit, moi, voilà, il n'y a pas d'endroit spécifique. Je pêche dans n'importe quel endroit, mais ce que je vous conseille vraiment pour débuter, c'est de trouver un endroit avec du sable. Voilà. Pourquoi le sable? Au moins c'est plat. Vous allez pas, quand vous allez lancer votre ligne que vous ramenez, vous n'allez pas vous bloquer, casser les lignes, perdre du temps à les refaire. Et voilà. Sinon, ça va vous énerver et c'est pas ce qu'on recherche à la pêche. Et ensuite aussi, un truc très important quand vous débutez, je vous conseille d'aller à la pêche quand il n'y a pas de vent. Voilà, pour débuter, c'est vraiment voilà, c'est important parce que s'il y a du vent, pour débuter, je sais que c'est dur. Moi, je sais que j'ai galéré quand il y avait du vent. Le plomb, il bouge de partout. Voilà, c'est pas... Voilà. Pour débuter, attendez qu'il y ait un beau temps. Et voilà, et avec du sable. Et vous allez voir, vous allez sortir de la belle dorade avec de la patience et de la persévérance, bien sûr. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'essaierai de répondre à tout le monde. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao, ciao les amis.